Wop, je te prends deux petites minutes avant que la vidéo commence parce que vraiment c'est super important pour que tu comprennes. Dans cette vidéo je vais tout simplement aller à la pompe à essence, ouais ça s'appelle comme ça. Je vais tout simplement vous montrer tous les prix, on va faire le plein. Je vais répondre à vos questions concernant le plein de l'essence. Bref, c'est un petit motovlog super cool. Du coup n'hésite pas à liker et à regarder toute la vidéo parce que ça part un peu des fois, vas-y, t'as compris. Mais aussi tu te doutes bien que comme à chaque fois je vais te dire: frérot, tu manques des choses, viens. Tu peux par exemple venir sur mon Twitch parce que je suis en live tous les soirs sur du GTRP, regarder des 3-4 heures de live. Voilà, on est bientôt 600, ça fait super plaisir. Mais tu peux aussi venir sur mon Twitter, regarde, 134 abonnés, vraiment si tu veux que je te réponde c'est ici, parce que sinon sur Instagram c'est bondé de monde. Et tu peux aussi venir sur ma chaîne de vlog, voilà il y a des vidéos tous les jours, là ça va reprendre incessamment sous peu, Léonard V2. Bref, toute ma petite pub et mon petit blabla est fait, n'hésite pas à checker la description, il y a plein d'infos, il y a plein de bons plans. Franchement c'est un truc à regarder quand même, c'est assez cool. J'attends surtout vraiment la réponse à la question que je vous ai posée dans la vidéo concernant le plein d'essence, parce que ça peut aider beaucoup de monde. Du coup n'hésitez pas, on contribue tous ensemble au meilleur développement de nos vies quoi. C'est strictement rien dire, mais bref, réponds à la question parce que je te promets que c'est cool et ça peut aider vachement de monde. Et pour en revenir à la vidéo, dites-moi si vous kiffez ce genre de petites vidéos en moto où je vous apprends des trucs, ça peut être tout simplement cool et je pourrais en faire plus régulièrement parce que vous avez vu que maintenant c'est 2 vidéos par semaine. Et ouais, on perd pas de temps. Mercredi 18h30, dimanche 18h30. Du coup je vous attends vos petits retours en commentaire et merci à tous de me suivre, c'est vraiment insane, on y va, les 30 000 abonnés c'est pour bientôt, je l'espère. En tout cas n'hésitez pas à commenter et à liker pour avoir un bon référencement, pour qu'on soit référencé dans les top motovlogueurs, toi même tu sais. Bref, je te souhaite une bonne vidéo, merci de me suivre, c'était Léo et on se retrouve tout de suite là maintenant pour la petite vidéo. Vas-y, transition, c'est parti, 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, nouveau motovlog. Je ne vous ai pas salué, donc je suis donc quelqu'un de mal poli. Ta-ta-da. On va essayer de pas se faire péter le cul par le Dodan. Parce qu'à chaque fois on me dit, hey Léo, tu finis pas de faire péter le cul à chaque vidéo avec les Dodan. Mais carrément, hein, je les prends beaucoup trop fort. Mais en fait, je me lève un petit peu, donc tu vois, t'as capté, ça va. C'est pas une sodo à chaque vidéo. Mon trou de balle reste quand même sain. Et la GoPro, à chaque fois que je lance une vidéo, j'ai toujours l'impression qu'elle est super mal positionnée. Donc j'espère que c'est pas le cas cette fois-ci, mais voilà, je vais pas y toucher. Tu sais quoi, Inch'Allah c'est bon, et si c'est pas bon, bah c'est pas grave tant que vous m'entendez. T'as comment les gens regardent juste avec la cam, c'est dingue. Bam. Ouais, vous l'avez vu au titre à la miniature, je fais genre, tu sais, vous avez pas vu, je vous explique et tout, mais en vrai, vous avez tous vu. Aujourd'hui, les mecs, avant que la vidéo commence, comme d'hab, le petit pouce bleu. Si on a 800 pouces bleus, bah je suis content, il y a ma mère 800 pouces bleus. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Déjà avant, premièrement, je tenais à vous remercier pour la vidéo du BSR, 10 000 vues en 3 jours, 1400 pouces bleus, en tout cas ça fait bien plaisir. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, elle est en description, je fais des lives tous les soirs sur du GTRP. Ma deuxième chaîne de vlog, pareil, en description. Mon Twitter aussi qui est tout neuf. Ce qui est neuf en ce moment, c'est surtout la chaîne Twitch et le Twitter, du coup n'hésitez pas à passer un coup dessus. Oh, il y a des petites gouttes, on va se dépêcher de faire la petite vidéo. Wow, comment j'ai fait glisser? J'ai fait mourir! Non, j'ai fait mourir en vidéo. Ça aurait été fort dommage, tiens donc. Mes loulous, on dirait que je suis votre daron. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va faire le plein de la 50. Et du coup, bah par ailleurs, vous allez voir le tarot. Le tarot de combien coûte le plein d'une 50? Là qui me demande, ouais Léo, t'as parlé dans ta vidéo d'un plein à 3-4 euros, montre-nous comment ça se fait que tu payes aussi peu cher, tu vois. Et bah du coup on va aller à la pompe et je vais tout simplement vous montrer, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, on a fait une course ou quoi. Mais vas-y, dernière vidéo, je me suis fait fumer par un scout, je vais fermer ma gueule. Je fais des courses avec personne, ils me fument tous. Du coup là on va faire le plein, allez claquer les YouTube monnaies, wow. Elle avait un bon petit 4x4 Mercedes, tiens donc. Je sais même pas c'est quoi la station, c'est une petite station Carrefour mon pote. Elle va prendre ma YouTube monnaie. All shot du touquet, c'est parti. Ah ouais, alors le seum ou pas là, tous ceux qui vont retourner le 22 juin en cours là. Eh ouais, moi je suis un lycéen, tout le monde m'a dit ouais Léo, il y aura plus de live tous les soirs. Eh, je suis au lycée, hein, je suis pas en 4ème les mecs hein. Eh y'en a, ils pensent que j'ai 13-14 ans. Mec, j'en ai 16, je suis au lycée, hein. Je sais, ça se voit pas trop. Mais moi, je ne retourne pas à l'école avant septembre. Bien sûr, je respecte les stops, croyez pas que je suis au-dessus des lois. Ah. Parfait. Il y a du 98. Parfait, ça. Ah.
C'est où le truc des cartes? Alors, touch, insérez votre carte. Alors, quelle carte prend-on? Pique-nique 2, je te choisirai, toi. Insérez la carte. On insère la carte. 98. Je fais n'importe quoi, je me suis trompé de code. Oh, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Code bon, aïe aïe. Est-ce qu'il y a encore de la thune sur la carte pour mettre l'essence? Telle est la question. Allez, mettre le plein. On va pas oublier nos gants. Alors. La dernière fois, je suis parti sans le bouchon. On va essayer de pas l'oublier. Putain, les gens qui font tout ça sur leur moto. Moi, il me faut me prévoir la journée pour mettre de l'essence. Oh. C'est pour ça que je suis venu à celle-là. C'est parce qu'il y a jamais de monde. Alors, 98. Parfait. Allez, on voit de la patate. Allez, là, c'est là. C'est ça que ça fait mal. Là, ça fait mal, là. Allez, là, regarde la YouTube Money qui part, là. Une vidéo, c'est ça. Une vidéo, 60 centimes, la YouTube Money part. Allez, on met du jus. Je sais pas combien on va mettre, on va essayer de mettre un plein. Je suis à 2 litres. J'ai mis 2 bouteilles de cristalline. Allez, 3 euros. Eh, ça monte, hein. C'est cher. C'est cher, la YouTube Money, là. La YouTube Money qui s'en va. Là, vous allez voir la patate qu'elle va avoir, là, avec du tout nouveau carburant, tout neuf. Oh, le con. Oh, le con. J'ai mis 4 litres de vin. Et allez, j'en ai remis partout à côté. Eh, mon père, quand il va voir la vidéo, il va me défoncer. 5 euros, 4 litres de vin. Nickel. On avance. Voilà, Yann, 5,46 euros. Parfait. Bon, j'en ai foutu partout, mais j'ai rien pour essuyer. Et c'est bon, il n'y en a pas sur les plastiques. C'est pour ça que ça a joué. Parce qu'il y a de l'essence qui avait été mis. Ah, bon. 5 euros. 5 balles, frérot. Voilà. Voilà combien ça coûte cher, là. 5,46 euros. 4 litres de vin. Nous pouvons y aller. Là, je vais vous dire combien de temps je vais tenir avec 5 euros. Bon, on a tout repris. On a repris la carte, on a repris tout. Là, mon gars, ça a envoyé de la patate. Bon, allez, c'est bon, on peut y aller. C'est bon, c'est fait. On a payé. On a dit bonjour, là. Je me sens plus pissé, là. Je dis bonjour à un motard. Waouh. Waouh. Au cross, tu t'avances sur la bécane. Tu mets le pied. Tu rétrogrades ta vitesse parce que t'arrives à tout faire en même temps. Et là, t'y vas. Pleine poignée de gaz. Combien de temps je vais tenir avec 5,46€? J'ai mis 4 litres de vin, c'était plein. Mais il me restait pas beaucoup, hein. Du coup, je comprends pas pourquoi j'ai pu mettre si peu. Mais là, j'ai fait 170 km avant de remettre 4 litres de vin. Ok, vous vous rendez compte? Ça fait 170 km que je fais, j'ai toujours pas remis le plein. Là, je viens de le remettre. Du coup, là, j'ai mis un bon plein. Et depuis que j'ai la moto, donc depuis février, tenez-vous bien. Là, vous allez vous dire, attends, Léo, c'est pas possible, là, tu te fous de ma gueule. Vous êtes prêts, là? Vous tenez bien? J'ai mis... Si on compte le plein, là, que j'ai mis 3 pleins. Et là, ils vont se dire, ah, Léo, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Comment t'as pu mettre si peu de plein? Tu roules jamais? Bah ouais. Bah ouais, je roule jamais. Là, la dernière fois que j'ai sorti la moto, c'était bah, la dernière vidéo moto, donc qui remonte à une semaine. Donc j'ai sorti la moto il y a une semaine, on est une semaine plus tard, je ressors la moto. Donc je sors ma moto une fois par semaine, je roule pendant environ une heure et demie, deux heures et demie. Attends, faut que je tourne quelque part moi, ah putain, j'ai plein de bêtes. Et je m'aventure dans des... Wow, c'est quoi cette belle voiture là? Il veut pas me l'échanger contre ma moto? Donc ouais, depuis février j'ai mis... Oh putain, j'ai des bêtes de partout, j'ai mis 3 pleins. Et le réservoir doit faire 6 litres, donc là il me restait 2 litres, mais regarde, j'ai pas roulé depuis... J'ai pas fait de plein depuis 170 km. Tu peux me comprendre qu'à un moment je me dis que je vais refaire le plein. Putain, et j'ai plein de moustiques, je me fais attaquer. Du coup, dites-moi vous le prix que vous payez. En commentaire, vous me dites le prix que vous payez et combien de fois par mois. Genre, est-ce que tu vas payer genre pour une fois pour un mois, genre tu vas faire un plein, un mois, ou c'est pas carrément ça et tu vas faire carrément plus? Dites-moi, je vous attends. Attention, on se fait trouer le cul, c'est parti. Hop. Prochaine vidéo, on fait du freestyle avec la moto, on essaye de lever. Ouh, le trou, oh le trou. Ouais, c'est une épreuve de Pékin Express. Ouah, mais j'ai plein de moustiques, c'est abusé. Ouah. Waouh, ouais, c'est bien ici là. Petite route de campagne. Waouh, ouais, on découvre des routes à chaque nouvelle vidéo. C'est un truc de fou. Mais. Depuis février, vous avez la réponse, j'ai mis un plein. Voilà, y a rien de plus compliqué.
Ça a dû me coûter même pas 20 balles d'essence depuis le début que j'ai la moto. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Eh, mais si je mets la visière, je vais rien voir. Oh, j'ai mis la visière là, je vois rien, mais au moins j'aurais pu. Ah, j'aime pas ma voix. Ah, quand il y a la visière, je me sens enfermé. Ah non, je me sens trop enfermé quand il y a la visière, c'est abusé. Là, je sais même pas où on va, les mecs. Hein. J'attends en commentaire combien vous payez. Parce que moi, j'en ai tard. Parce que moi, même mon cousin le dit, tout le monde le dit, mais Léo, tu consommes rien. Mais en même temps, je roule pas. J'ai fait même pas 300 km depuis février. Là, le dernier plein, bah là, le plein que j'ai fait aujourd'hui, le dernier avant, c'était il y a 170 km. Rendez-vous bien compte. Oh. Mais du coup, voilà. Comme quoi une 50 ça coûte pas cher, les pleins sont dérisoires, voilà, c'est pas des pleins de voiture, hein, t'inquiète. Hein. Là, 4 litres 20, 5,30€, enfin ça va encore. Hein, Ok, là je suis deuxième. Ouais, t'inquiète Léo, tu fais un peu n'importe quoi, mais vas-y, t'inquiète, y'a personne qui juge. Et puis celui qui juge, eh ben, tu lui casses la gueule en vrai. Moi je castagne. Tiens, un problème, moi je castagne. Trois quarts face, moi je fais. Waouh, trois quarts face que je cogne. Alors, est-ce que Léo, t'excite pas, tu sais pas prendre un virage. Voilà, regarde comment je penche le genou là. Cru, je fais des états à la moto GP là. Mim. Regarde, Manti, c'est ça, c'est les gros 78 tonnes là. Moi je tourne et je me raccroche à la vie. La vie de ma mère, il n'y a pas de priorité pour toi, frérot. J'arrive, hop. Non. Mais non. Mais non, il y a un feu. La dernière fois, je suis passé là en vélo, sur le côté. Mais là, je vais pas te mentir, c'est pas trop possible. Avec la moto. Et je cours. Et regardez le fil là, il se barre en couille. Je ressemble à un reporter chez BFM TV. 1 minute 15, c'est parti, l'attente va être longue. Allez, venez, on fait des chifourmis. Chifourmis. Allez, c'est bon, j'ai gagné. Allez, hop, 3-0, t'es obligé de liker. Bon, j'ai pas intérêt à foirer le départ. Il y a du monde derrière moi, derrière la ligne de départ. On fait chauffer le moteur. Fait le kéké là. Attends, faut bien représenter la commu 50 quoi. On fait chauffer le moteur, on monte en régime moteur. Gros départ là, gros départ, t'es prêt? Ouais, super le départ, super le départ. Bon, les cailloux, on garde notre distance sociale avec la voiture, on sait jamais, t'as le 9. Attends, pourquoi tu freines? Mais c'est un Dodan, freine pas, t'as une Fiat Punto. Sur GTA, quand je prends la Fiat Punto, je fais des triples salto arrière, il pleut, c'est magique. Ah, elle met de la poussière. Ah, elle est méchante. Tellement je suis rapide, même pas besoin de mettre de coup de gaz, je la suis au cul. Non mais en vrai, j'ai un bolide, c'est ça que vous saviez pas. Aïe. Ouais, elle va. Oh, je prends des bêtes, frérot. Oh, moustique tigre là dans mes yeux. Regarde-moi ça, elle va freiner. Bah ouais, bien sûr qu'elle va freiner. Pourquoi tu freines? Mais ne freine pas. Optimal. Eh, hey, je me prends de ces trucs, vas-y, je roule avec la visière, tu sais quoi? J'aime pas, je m'entends bizarrement. Jim, qu'est-ce que tu fais? Mais freine pas. Mais. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais pas ce que c'était. Hein. C'était un genre de petit moto vlog pour vous donner des informations concernant les 50 pour ceux qui voudraient des 50. Donc le plein. Tarif entre 4 et 10 balles. Après, tu peux mettre aussi l'Excellium, c'est un meilleur carburant, c'est du samplon 98 Excellium, ça nettoie un petit peu ton moteur. Mais pourquoi tu roules avec le masque? Mais Pélo, il roule avec le masque, con lui. Mais c'est pas possible. À quoi ça sert de rouler avec ton masque? Tu crois qu'il va choper le Covid dans les airs ou quoi, le Pélo? Toujours notre repère spatio-temporel à partir d'ici, on a 5 minutes de route pour rentrer au bercail. Hop, on va mettre le petit clignotant. Là, on fait le départ, le shot du Touquet, t'es prêt? Oui, MotoGP. Mais on a failli s'envoler. Bon, en tout cas, c'était Léo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dimanche 18h30 pour une nouvelle vidéo. Sur ce, allez, ciao! Bye bye!